Coucou les gens, voilà, désolé Niaxu, ça commence d'un coup comme ça. Bon, bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19 déjà, waouh, ça passe vite, de Mario et Luigi les frères du temps, en compagnie d'un monsieur en vocal, nommé Niaxu, bonjour. Voilà, il était pas prêt comme prévu, donc voilà, objectif c'est de finir un peu déjà cette zone, si tu veux je peux mute Niaxu si ça te dérange. Non t'inquiète. Ok. Donc voilà, c'est un peu ce qui va se passer. Je ne sais pas quel jour on est pour vous. D'ailleurs, c'est pas comme ça qu'on fait. Non, c'est pas comme ça qu'on fait, j'ai oublié. Ok, je vois ce qu'il faut faire. Je vois. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, cher Jean. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire pour le moment. Donc déjà, on va ramener les enfants à l'intérieur de ce trou. Faut les faire écraser à ce que je vois, oui, toujours les faire écraser. Ils aiment bien écraser les enfants. Je l'ai remarqué sur les jeux Mario, c'est toujours comme ça. Écraser les enfants, ce sont les choses qu'ils préfèrent faire. Je sais pas, pas envie de savoir pourquoi ils veulent écraser les enfants aussi. Ok, ok. Donc là, on y va comme ça. Ça passe pas. Ok, donc là, il me faut ce pouvoir. Ok, je pense qu'il fallait aller plus haut. Ok. Ok, j'essaie de comprendre en fait ce qu'il faut faire pour le moment. Mais est-ce que je vois en monte très haut? Ok, je vois ce qui se passe en jeu. Ok, on va aller sur ce nuage. Pourquoi sur un nuage? Je ne sais pas. Ok. Et on vient d'activer un truc. Et quel est ce truc? Déjà, est-ce que je suis bien en train de rec? Parce que je me pose des questions. Voilà. Bon, on a activé un truc en bas, je n'ai pas eu le temps de voir. Oh, bah tiens. C'est ultra pastille. Bah voilà, ça c'est gentil comme truc. Je sais pas ce qu'il y a ici, mais bon. On va dire que... on s'en fout un peu. Oh, c'est un chemin. Ok. Moi, je prends jamais les fèves. Voilà, si vous voulez savoir... Les fèves, je m'en fous. Bon. Alors comme ça, vous savez, c'est la sainte technique de Brigitte et Michel, ce que vous voulez. On fait ça. Non, pas comme ça. On fait ça, et pouf, on monte. Et on peut dire facilement, et pouf, ça fait le choc à pic. Je vois pas l'intérêt d'entrer dans cette espèce de trou, mais bon. Ça, vous voyez, ça, je me suis dit, qu'est-ce que fait un Toad ici? Bah non. Bon, il a l'air un peu focus sur nous, donc on va lancer le premier combat. C'est parti. Hein. Alors, c'était pas prévu qu'il y ait... Mais ils font de plus en plus mal, ces trucs-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Soit c'est des ballons, soit c'est des... C'est chompes. Non, c'est des trompes, non? Oui, c'est des trompes, ça. Bon. On va... On est un peu obligé de sauver Luigi, quand même, là. Bon, l'objectif c'est de les défoncer, voilà. C'était pas prévu, mais on va y aller comme ça. Bon, Luigi, défonce-les. Bon, pour si vous voulez savoir, je tourne cette vidéo, voilà, je tourne cette vidéo 4 jours après le dernier épisode. Donc, on va dire que je suis pas trop perdu. Et je viens de prendre doublement cher, de prendre triplement cher, de prendre... Je viens de me prendre un one-shot. Ok, bon, ils sont un peu chauds dans ce jeu. Je pense que je vais peut-être fuir... C'est rare que je fuis, mais quand même, là, ils prennent cher, les messieurs. Bon. Ok. Donc, voici ce que nous allons faire. Fuir, voilà, on va perdre de l'argent. Voilà, c'est rare que je fuis. Mais bon, c'est pour éviter de bouffer tous mes champignons devant un boss. Je pense que c'est une idée acceptable. Voilà. On y va comme ça. On va peut-être donner un peu de vie au monsieur. Parce qu'ils ont pris un peu cher en fait. Je sais pas si vous voyez. Voilà, les deux messieurs ont pris moins cher que prévu. Voilà. D'accord, je sais pas pourquoi il y avait ça. Pardon. Mais ils vont se faire exploser les enfants. Les pauvres, mais... Je vais sérieusement m'entraîner dans ce jeu. Je sais pas ce qu'on va faire durant cet épisode, mais ça sera entraînement. Très clairement. Bon, on va refaire ça, mais bon, ça sera en entraînement. C'est ce qui est prévu aujourd'hui.
Je vais sauver les enfants, je vais prendre les deux et on va tuer des gens à l'infini. On est un peu obligé, j'ai l'impression. Non, on va prendre un super champi pour le petit bébé Mario. Et on va défoncer tout le monde. Comme ceci. Ok, prochain, on le tue. Déjà, on prend ça. Et là, on le tue. Je parie que sa faiblesse, ça doit être le feu, lui. Bon, j'ai horreur de son truc de temple. Voilà, bon. C'est la même chose que la balle, mais bon, c'est stressant, quoi. Bon, l'un fait 62 dégâts et l'autre en fait 30. C'est la seule différence. Bon, on va peut-être prendre. Non, oui, en retour, on va prendre un objet frère. On va les défoncer en une fraction de seconde. C'est parti. Objet frère très connu. On spamme le bouton quand il y a Mario et on spamme le bouton quand il y a Luigi. Voilà. Ok. Ça a l'air de faire un peu mal, mais pas autant que je l'imaginais. Donc on va réessayer, sinon on va sauter sur les gens. Vu que c'est. Ben, les gens préfèrent se faire sauter. Après, ne pensez pas des choses bizarres quand même. Ok. Bon. J'ai l'impression que ça marche assez bien. Il fait ultra mal quand même. Je me fais exploser. Bon, on va en finir avec la fleur, voilà. On va en finir avec les quatre en même temps, surtout qu'ils brûlent facilement, j'ai l'impression. Voilà. Est-ce que ça sent que je suis concentré? Non. Bon. Non, pas du tout. C'est parti. Juste pour de simples. J'ai pas de simple petit monsieur. Je suis en train de tryhard. Même certains boss, j'ai pas tryhard. Mimurkan. Oui, je fais les deux en même temps, mais la meilleure des techniques, c'est absolument pas les deux en même temps. Pur réflexe. Bon, le dernier, si ça marche pas, on va sauter sur les monsieur. Ou un coup de marteau, ça marche aussi. Les deux font très mal, j'ai envie de dire. Ouf. Ah bah enfin. Bon, lui, on va lui donner un vieux coup de marteau. Enfin. Non, c'était Luigi après ça. Désolé, je ne suis plus habitué. Voilà, c'est pas tout. Voilà, en plus c'est moi. C'est pas tous les jours que j'utilise des marteaux. Surtout en confinement. Donc voilà. Mon bébé Mario level 15. Alors je me rappelle que bébé Mario avait un sacré retard de moustache. Voici la preuve, j'ai réussi à avoir 6 alors que la plupart du temps quand t'as 3-4 ça veut dire que t'es un peu en retard. Bon, pareil pour le petit Luigi, chez bébé Luigi, moustache aussi, je sais pas, je mets plein de moustaches, je régale aujourd'hui. Il n'y a que des 6 je pense là. Très clairement il y avait peut-être un 4 ou un 5 mais il y avait 90% de 6. Donc bon. Où sommes-nous? Bon, faut monter en fait tout simplement, pourquoi perdre son temps? Continuons. En plus il y a un sacré volcan. Ça, je reconnais. Ça, c'est à la princesse. Bien trouvé bébé Mario. Luigi a l'air d'accord. Mince, si le diadème de la princesse Peach est ici, serait-ce possible que Bowser soit tombé dans le volcan avec elle? J'espère pas. Waouh! C'est le bordel, Michel. Je ne peux pas évaluer notre malheur. La situation est affreusement critique. C'est pour ça que tu dis ça normalement. Si nous n'arrêtons pas cette éruption, nous sommes perdus. Ça a l'air d'être clair. Allez, on reste ici. Attention à l'explosion, fuyons, nous devons trouver un refuge pour décider de notre prochain plan d'action. Peut-être qu'il y a une maison juste en bas à droite. Je sais pas, c'est pure déduction. Je sais pas si on peut vraiment se faire attaquer, mais on va fuir comme jamais. La musique, elle pique et tout. J'allais sauter sur le truc. Je me suis fait prank. Je me suis fait prank par ces trucs. Je suis gêné. Voilà, c'est bon. Non, mais je me suis fait prank par ces trucs. Me sens trahi. Et en plus, Mario vient de mourir d'une manière assez bête. Oula, on va faire un truc très clair de la vie. Bon, Mario, je vais te donner l'intégralité de ta vie, même si c'est pas le meilleur des moments. Et Luigi, je vais t'en donner aussi pas mal. Au moins, comme ça, je m'habitue petit à petit aux ennemis. Ultra Champi, je pense que ça va être assez pour Luigi. Je sais pas combien ça donne, 60? 60. Ouais, ça donne tout, quoi. Je vais essayer les deux, les deux, par exemple, l'un saute et pas l'autre. Bon. Bon.
En fait, j'ai l'impression qu'ils ont des rythmes très différents. Je sais pas, c'est l'impression que ça me donne. Bon, lui, il va être quoi, une balle? Voilà. Ah, en fait, attends, mais comment ça marche? Comment on peut savoir si c'est Mario ou Luigi? Parce que ça a toujours été pas mal de fois Mario, mais quand est-ce que c'est Luigi? Bon, on va prendre... Je pense que le saut fait clairement l'affaire. Ouais, c'est à peu près la même chose. Mais ça fait pour tous, donc je sais pas. Ok. Ouais, bon, ça va, quand on a la technique, voilà. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Mais bon, je sais pas, c'est Mario Luigi, je vais peut-être commencer à rager. Oula, 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 non, je la sens mal, là. Désolé, le petit bébé Luigi, mais... C'est impossible. Bon, j'ai double mort, là. Ce que je propose, c'est que nous fuyons. Mario avec ses deux enfants là, on dirait un babysitter. Bon, bon, c'est dommage, j'aurais pu. Je me suis fait juste ultra prank et je vais donner un peu de vie au monsieur. Ultra champi, on va en donner pour Luigi, on va donner pour ça. Ça donne 80 PV quand même. Je suis en train de gaspiller des trucs qui donnent 80 PV. Ça doit être assez cher tout ça. Alors, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe, mais pourquoi j'ai des flèches qui tombent du ciel? Non, non, pas ça. Je connais l'astuce maintenant. J'ai failli me faire tuer par le piège. On prend tout au passage parce qu'on s'en fout un peu en fait, c'est juste une éruption avec une musique épique Mario derrière, c'est rien, c'est banal. Mais on prend la truc sauvegarde, je sais pas ce qui va se passer. Sauvegarde et continuer. Y'a même pas de truc volcan là? Non, je suis déçu, c'est bon. Bon, on peut ramener les enfants si on les a abandonnés comme moi. Ok, je sais comment on fait. Les enfants, vous allez ici. C'est ouvert ou pas? Non, c'est pas ouvert. Le mec, il a carrément préparé un bunker, sérieusement. Ça montre bien la façon qui est... Bah, la façon assez grande de la note, de cette attention. Allez, allez, allez. Voilà. Il y a quoi? Je suis sûr, il y a des trucs un peu partout. Ouais. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bon, j'arrive pas à y accéder, mais... Bon, c'est un moyen de revenir tout au début de des trois zones qu'on vient de faire. Bon. On va revenir dans un endroit où c'est un peu, ça part un peu en steak. Ah, vite, on rentre. S'il n'y a pas le professeur Catastrophe, j'arrête ce jeu. Voilà. C'est cela, oui. D'accord. En plus, meilleure musique quand même, professeur Catastrophe, voilà. C'est cela, oui. D'accord. Il s'en fout un peu quand même, là. S'il dit c'est cela, oui, je le tue. Oups. Ah, j'étais si concentré dans mes recherches que je ne vous ai pas vu. Je ne vous avais même pas remarqué. Je m'appelle Catastrophe, j'étudie les trompes et l'histoire de cette montagne. Je cherche à découvrir comment ces choses rocheuses sont venues jusqu'ici, et pourquoi elles sont tellement énervées. Ce mystère ancien occupe toutes mes pensées. Bref, j'étudie la poussière, les cailloux et tout ce qui compose ce pic montagneux. D'accord. Bon, par contre, c'est vrai que certains cailloux, c'est spécial. Pourquoi il dit ça? Ce n'est pas le grand confort, mais vous pouvez rester autant que vous voulez, d'accord? Voilà. Les monsieur, ils ont l'air pas très très contents de cette proposition. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous en colère? Vous faites trembler le sol. Le volcan est en éruption. Quoi? En éruption? Vous avez dit en éruption? Quoi? Il a éjecté de la lave il y a quelques minutes. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Pourquoi avoir attendu? Ah. Il va casser les machines. Je sens mal. Il y a le feu, messieurs! Toutes mes longues années de travail vont être détruites! D'accord. D'accord. Oh là là, ce trompe enflammé va exploser! Sortez cette chose de là avant que tout n'explose! Comment tu veux que... je sais pas, comme ça? Je sais pas comment on peut...
Non, il n'y a pas un endroit pour faire de l'eau. Bon, moi je pars en fait. Mais qu'est-ce que vous faites? Occupez-vous de l'incendie. On n'est pas pompier, Michel, on est plombier, c'est pas la même chose. Je sais pas moi comment je peux éteindre un incendie. Si je le casse, peut-être. Non, je vais pas passer en dessous. Bon, Michel, je suis pas. Oh, je vois le truc. Je sais pas, quand je vois ce genre de truc, je me dis. Là, par contre, si je suis pas ingénieux, voilà. Bon, il y a de l'eau qui passe ici. Je sais, bébé Mario. Voilà. Bon, musique épique jusqu'à l'infini là. C'est pas mal. Quoi, c'est passé? Bah dis, Mario, tu vas prendre un peu plus d'eau que prévu. Tu vas en prendre une. Allez, on va dire au maximum. Voilà, 9. Bon, il est un peu loulourd maintenant. Bon, il est un peu en PLS le monsieur. C'est vrai que s'il y a un incendie comme ça. J'aimerais, s'il vous plaît, petit jeu. Bon. Ok, en fait, les flammes disparaissent petit à petit. Ok, c'est bon. Attendez, l'eau. L'eau, ça éclabousse et ça éteint les feux. Quelque chose. Je sens que quelque chose active mes neurones. J'ai un peu peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment? Les souvenirs? Pourquoi les souvenirs de ma jeunesse sont-ils? Ils ont été réordonnés. Qu'est-ce que c'est? Serait-ce? Oui. Oui, serait-ce? Hein? C'est quoi d'ailleurs? Merci d'avoir servi de pompier. Bah oui, moi je suis pompier à présent. Voilà, c'est mon nouveau métier. Les gars, mais il ne reste plus grand-chose du laboratoire. Allez, ne vous en faites pas. Il paraît qu'il y a un labo pas trop cher dans la forêt boue. Je vais m'y installer. Je vais me faire mes recherches sur les phénomènes paranormaux. Ouais, je vais venir avec vous, monsieur. Écoutez-moi, c'est dangereux pour vous tous. Pour vous tous, restez ici. Mon intuition me dit que nous allons nous revoir. À bientôt. J'espère. Je pense. Mario, je reçois un message du futur professeur Catastrophe. Ah, c'est vrai qu'on est dans le passé là. Vous m'entendez, les amis? Je viens de terminer la plus grande de mes inventions. Cette machine formidable arrête n'importe quelle éruption volcanique. Attends, on vient de tout défoncer dans le présent et le passé là. Alors, on a inventé un truc dans le passé et vu que maintenant il est au courant. Voilà, c'est un bordel quoi. C'est une invention digne du génie que je suis. Je l'ai appelée Hydroflow 4000. Comme son nom l'indique, elle a une puissance à revendre. Vous brûlez d'impatience, hein. C'est pas marrant ça, surtout qu'il y a du feu. Très bien, je vais vous souffler une marée via la faille spatio-temporelle. Attendez les amis. Si on appuie ici, oui. Il y a de l'eau. Oula! C'est vrai qu'il veut nous envoyer un marais là. Attends, donc on peut faire passer de l'eau dans le passé? Pourquoi pas? Ah oui, c'est un sacré marais. Donc un mec du futur envoie de l'eau dans le passé pour. D'accord. Ça m'a l'air logique. Ou peut-être pas. Ah, c'est bon. Oh, il y a un nuage bleu blanc qui passe. Qu'est-ce qu'il fait le nuage? D'accord, il enlève la. D'accord. D'accord, le nuage blanc. Merci, nuage blanc. C'était génial, non? Assez de prouesses. Pour aujourd'hui, à plus tard. D'accord. Ce voyage dans le temps est paradoxal, mais le cratère est libre d'accès maintenant. Je sens qu'on va aller dans le cratère, on aura un boss dans le cratère. Bah, beaucoup de choses pour de vrai, là. Beaucoup, beaucoup de choses, et nous sommes qu'à 20 minutes. Bon, déjà on va sauvegarder, même si voilà. Voilà, bon.
Objectif urgent, c'est de... Ça m'étonnerait que j'ai trouvé un autre point de sauvegarde. Par contre, je sais pas comment y aller sans me faire attaquer. Mais bon, on va essayer de continuer. Je vais peut-être faire deux épisodes d'affilée. Ouais, je vais pas faire gaffe de ça. Ouais, je vais faire ça. Deux épisodes d'affilée à chaque fois. Bon. C'est pas une pièce, ça. J'ai sauté parce que j'ai eu une pièce de sang. Je suis débile. Je suis débile. Qu'est-ce que... J'ai pas envie de les combattre, c'est bon, ils m'ont saoulé. Oh, c'est bon, il a plus de Luigi. C'est bon, non mais c'est bon ça, j'aime plus ce jeu. Voilà. Pourquoi D'accord, Mario a fait un espèce de monohook, là, je sais pas. Je sais pas, il a avancé sans avancer. Il m'est trop culé, on était pas loin en fait. C'est pour ça que j'ai monohook. Bon... Je n'aime... Je vais commencer à rager. Parce que c'est... Je pense que je vais finir en déj d'argent si ça continue. Ouais, non, c'est... Par contre... Bon. Fais le babysitter et casse-toi, Mario. Désolé pour le terme, mais on n'est pas obligé. On part très vite, hein. Très vite. Bon. On va prendre ci et ça et objectif. Bah, c'est pas des esquives, mais bon, c'est de trouver leur faiblesse quand même. Enfin, même si je pense avoir une idée. Bon. Il en profite pour écraser. Bon, on va y aller comme ça au pire. Bon. C'est quoi sa fleur clonée? Appuyez sur le bouton du frère qui atterrit sur l'ennemi. Juste ça. Ça m'a l'air un peu simple. Ah! Je vois le... Ouais. Ah! Faut vraiment faire un sans faute. Ah oui, mais non, c'est pas pour moi les 1 sans faute, ça. Bon, je vais gaspiller quoi? Je sais pas, moi, qu'est-ce que je peux gaspiller? Une fuite, ça me va, moi. Moi, comme ça, on va quitter cette zone, on aura d'autres ennemis. Regardez tout l'argent que je perds à force de fuir. C'est triste, non? Quand même. Bon, par contre, avant qu'il... Voilà, j'ai envie de partir comme ça. Bon, nous sommes là-haut. Allez, mon chéri, souris! Ah, d'accord. Ma joie s'est éteinte, il n'y a plus de joie. Ne dramatisons pas, il reste encore des flammes. Saute donc par là. Pourquoi il y a un espèce de chompe au sol avec le truc sur la tête? En mode, on peut s'asseoir dessus. Hé! Bande de petits diables, vous avez éteint ce volcan en l'aspergeant d'eau. C'est pas vrai. Avouez, il suffit de vous regarder, vous êtes tous plombiers. À cause de vous, mon mari est devenu dépressif. Descendre dans ce volcan était son seul passe-temps monstre. Nous attendions cette éruption annuelle avec tellement d'impatience. Un volcan sans feu, ce n'est plus un volcan, juste une vulgaire montagne. Vous entendez ça? Tout est de votre faute. Alors, rendez-nous notre joie. Allez-vous nous aider? Parlez. La réponse est non, hein, insecte. Très bien, je vais vous montrer comment je traite les insectes. Je vais tous vous écrabouiller. Hein? Attends, il y a vraiment un mini combat de boss avec un caillou géant qu'on vient de rencontrer. C'est quoi cette logique de jeu? Non, heureusement que j'ai sauvegardé. Mais j'ai sauvegardé tout en bas, donc ça me fait un peu peur. Bon. C'est parti pour un combat de boss et je pense que ça va durer un peu plus longtemps que prévu. À partir de 30 minutes, on va s'arrêter là et après on va recontinuer. Bon. Technique avec les combats de boss. Les canons. Non, même pas, attendez. Bon, c'est parti, combat de boss. Mario, ok. Je pense avoir une idée. Oh, mais je veux tellement acheter des canons à l'infini. Je vais me faire du fric. Il a l'air d'être ultra vulnérable aux canons. Donc, même si j'en ai pas beaucoup, on va le défoncer. Mario, Luigi, bébé Mario, ok, ça fait comme ça.
60. Ok, non, c'était vraiment parce que j'avais de la chance. Je sens que je vais me faire exploser. Ah, il y avait plus de vie, ça compte pas. Ça compte pas, il y avait plus de vie, monsieur. Je vais redonner de la vie. D'ailleurs, fallait. J'étais pas prêt. Comment je peux savoir qu'il y aurait un boss? Non, j'ai donné une super pastille à tout le monde. Non, une ultra. Attends, déjà, je vais sauver Luigi. Avec un champi up. Ouais, j'en ai pas beaucoup. Je manque beaucoup de choses là quand même. Et là, je vais donner une sacrée pastille à tout le monde. Voilà. Et là, tout le monde va être content. Bon, c'est simple, mais il faut. C'est très simple en fait. Je suis. Bon. Il donne énormément de choses. En fait, c'est pour ça qu'on n'a pas eu de give, entre guillemets. C'est il nous donne des choses maintenant. Bon. Par la logique du monde, de tout ce que vous voulez, ça sert à rien de mettre du feu sur un caillou. Donc, on va prendre de la glace, peut-être que voilà. C'est parti, ici. Il a pas l'air de souffrir autant que ça, le monsieur. J'ai l'impression que ça le chauffe un peu. Oh, peut-être qu'un caillou, genre, je sais pas, fondre la pierre. Je sais pas, j'essaie de m'imaginer avec les éléments et tout, mais. On va essayer avec un caillou. Avec un caillou, avec ça. Avec du feu. Soit ça va être totalement inutile, soit voilà quoi. Non, ça c'est clairement pas grand chose. Je sens l'onde de choc arriver. Oh, c'est un onde de choc un peu de côté, je vois. Oh, j'ai réussi à esquiver de justesse, mais j'essaie de comprendre. Alors, je pense, alors selon moi, il doit avoir un truc du style, par exemple, si il a son bras plus d'un côté, ça veut dire que c'est Mario Luigi. Mais bon, j'ai pas compris autre chose, mais je pense que ça doit être ça. Bon, j'espère qu'il aura son attaque avec ses milliards d'attaques frères, parce que moi ça me va, je vous cache pas. Putain, je suis un génie, je l'ai fait un peu au hasard, ça. Genre, je... Hein? Et attends, quelle est la différence entre 4? Il y en a un qui a un petit truc cassé. Bon bah on va attaquer, on va exploser la gueule de celui qui est cassé. Je sais pas si ça veut dire c'est lui ou si au contraire ça veut dire c'est pas lui. Mais j'espère que c'est lui. Mon Mario, bébé Mario, bébé lui, ok. Ok. Ah, ça veut dire que c'était un fake. Hein? D'accord. On a plus de ça, donc on va essayer des trampolines. Appuyez sur le bouton du frère qui atterrit sur l'ennemi. Je suis très mauvais pour ce genre de truc parce que je n'ai pas les réflexes. Genre, là c'est Luigi. Là c'est Mario. Là c'est bébé Mario. Là c'est Luigi. Là c'est Mario. Ah voilà, ça aurait dû arriver. Voilà, et là je m'embrouille. Ok. Non, c'est bon. Voilà. Ça a clairement rien fait de gros. Bon. Faut faire des perfettes pour que ça soit utile. Bon, trampoline, c'était ça. Mini-chomp. Mini-chomp, ça peut être marrant. On va essayer. Aïe. Quoi? J'ai pas compris. Bon, alors j'ai compris le délire. Bon, là je fais les deux en même temps, mais c'est par rapport aux sourcils. Si ils font, comment dire, c'est quoi le mot français, je sais pas, mais bouger ses sourcils quoi. Si c'est à droite, ben c'est genre, comment expliquer, ils sont comme ça, genre ils sont comme ça, ça c'est les deux sourcils gauche, non au pire, vous allez comprendre, voilà, vous allez comprendre, c'est plus simple. Bon déjà, on va utiliser un fracas œuf parce que j'en ai plein et je sais pas à quoi ça sert. Ah non, c'est parce que je sais pas comment ça marche. On va essayer ça. Alors, oui, je suis comme ça, moi. Pourquoi? Bah, parce que c'est plus simple. Mais bon, c'est vrai que ça fait plus de dégâts à l'autre. Ça fait combien? 34. Et pour avoir le double, si je fais les trois boutons en même temps. Tel un tryharder. Mais le problème, je ne suis pas un tryharder. Enfin, pas pour ça. On est dans le caca, je suis en train de marquer petit à petit. Je sens que le combat va être très long. Un peu là. Non, ça marche clairement pas ça.
Je sais pas comment j'ai su, mais je l'ai fait. Bon. Cher Jean, on va s'arrêter au plein milieu de cet épisode sur ce boss. On va le continuer au prochain épisode. Je pense que ça sera le mieux pour moi et pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour l'épisode 20 pour continuer ce monsieur Caillou qui nous empêche d'avancer. Donc voilà les gens, j'espère que cet épisode vous a plu. Nous nous retrouvons soit mardi, soit jeudi, je sais pas, pour un prochain épisode. Merci d'avoir regardé et ciao tout le monde. Bye bye.